a trier. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand. Thank you.
give out. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est le 3 août, je débute ce vlog face caméra à l'instant, mais normalement vous aurez déjà eu quelques images au compteur juste avant. Je vous parle avec ma voix rocailleuse parce que clairement il est 8h, ça fait pas longtemps que je suis réveillée, que je suis prête et que je suis sortie. J'ai des prises de sang à faire ce matin en lien avec la grossesse puisque je suis enceinte de 5 mois. Je suis donc dans mon 6e mois et comme tous les mois, il faut que je regarde que je suis bien négative. Et bien par rapport à la toxoplasmose, j'ai mes analyses d'urine à faire et puis petit bonus ce mois-ci, j'ai le test du diabète gestationnel à faire. Donc autant vous dire que je suis pas rentrée et que je suis coincée au laboratoire pour au moins 2 heures. Voilà, je conserve un souvenir pas très agréable de la dernière fois que j'ai pratiqué ce test quand j'étais enceinte de Louise. J'y avais échappé quand j'étais enceinte de Marius parce que mon gynéco de l'époque ne jugeait pas utile en fonction de mes différents résultats, prise de sang et urinaire, de procéder à ce test. Mais pour Louise, je n'y avais pas coupé. Et je me rappelle que je m'étais sentie pas très très bien vers la moitié du test. J'avais commencé à pas avoir la nausée, mais en tout cas avoir les entrailles qui se tortillaient dans tous les sens. Et bref, j'avais terminé dans un box au lieu d'être dans la salle d'attente avec les pattes relevées pour ne pas tomber dans les vapes. Bref, c'était... voilà, je garde pas un bon souvenir de ça. Donc on verra si ça se passe pareil ou si c'est différent cette fois-ci. Mais le fait est que je ne peux pas y couper, surtout pas quand on est un petit bec sucré comme moi. À l'époque, ça avait été borderline que j'ai un diabète gestationnel. Franchement, je croise les doigts. Voilà, vous voyez peut-être pas avec le volant, mais je croise vraiment tous mes doigts. N'empêche que je suis en meilleure santé que lorsque je vous ai quitté la dernière fois où j'avais chopé un rhume à cause du changement assez impressionnant de température. Entre-temps, j'ai refilé gentiment à toute ma famille ce rhume, mais qui n'était pas bien méchant puisque ça va déjà beaucoup mieux. Enfin, moi, je m'estime guérie, voilà. Sur ce, je vais pas traîner plus longtemps parce que 2 heures c'est long quand même, hein, donc autant que je m'annonce et qu'on commence à faire rapidement la première des 3 prises de sang, yeah. Et je vous retrouve donc 2 heures plus tard dans la voiture toujours, ça y est, c'est fait et ça s'est mieux passé que lorsque j'étais enceinte de Louise et que j'ai dû faire le précédent test. J'ai pas du tout eu les entrailles qui se tortillent dans tous les sens. Et j'ai juste eu un gros coup de pompe après la deuxième prise de sang, donc au bout d'une heure. Mais la sensation est passée en une vingtaine de minutes toute seule, voilà. Donc finalement, ça a été. Et puis, c'est passé plus vite que prévu puisque j'étais accompagnée d'une nouvelle lecture que j'ai donc commencé là-bas. J'en ai lu la moitié. C'est un texte qui est très court, écrit par Samuel Barbier, que j'ai découvert l'année dernière avec son premier roman. Je n'ai plus le titre en tête, mais je vais vous le retrouver dans un instant. Voilà, c'était La sirène et le scaphandrier que j'ai lu l'année dernière. Et celle qui reste, c'est donc son deuxième roman. C'était peut-être pas forcément la lecture idéale à amener lors d'un test de diabète gestationnel, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut amener comme lecture idéale pour un examen comme ça? Je ne sais pas. Le fait est que ça parle de suicide. On est dans une fratrie composée de 3 sœurs très différentes les unes des autres. Et la sœur du milieu va se jeter du haut d'un pont en plein hiver, laissant les 2 autres dans l'état que vous pouvez imaginer. Il y a eu un témoin à cette scène. C'est une vieille dame qui promenait son chien obèse. On la suit de temps à autre à travers des points de vue alternés, mais c'est pas non plus le personnage central du récit. Mais on sent que avoir été témoin de ce drame l'a impacté d'une certaine manière et va changer des choses dans sa vie. Je sais pas si j'aurai le temps de le finir dans la journée parce que c'est écrit assez gros. Donc même s'il me reste 100 pages, je pense que c'est jouable si les enfants sont plutôt cool aujourd'hui. Si c'est pas le cas, je l'emmènerai demain avec moi puisque aujourd'hui
Il va falloir que je refasse les valises. On va repartir demain en famille. On va aller à la mer à Dieppe, donc c'est pas très loin de chez nous. C'est 2 heures de route à peu près, donc ça va aller vite. J'ai trouvé un petit Airbnb hyper mignon dans le centre-ville de Dieppe, à 2 pas de la mer. Qui est bourré de livres et de bibliothèques. J'ai déjà hâte de jeter un coup d'œil à toutes les possessions de la propriétaire. Voilà. Donc, soit je réussirai pas à terminer ce livre aujourd'hui et il m'accompagnera dans la voiture demain. Soit je le termine aujourd'hui et j'en entame un autre pour le trajet. Hein, je sais pas trop. On verra le moment venu. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser. J'ai très envie de rentrer à la maison, de me poser devant un bon petit déjeuner maintenant. En attendant les résultats du test que j'aurai ce soir. Voilà, à plus tard.
Aujourd'hui, on est le 7 août. Je vous reprends un petit peu en vlog après vous avoir laissé quelques jours. Déjà, tant que j'y pense, parce que j'ai commencé à faire le montage de ce vlog pas plus tard que ce matin, et je revoyais tout mon petit blabla dans ma voiture pour vous dire que j'étais en train de passer le test du diabète gestationnel, et je n'ai pas de diabète gestationnel. Donc je suis super contente, ça ne veut pas dire qu'il faut que je me rue sur le paquet de sucreries le plus proche à portée de main, évidemment pas. Mais en tout cas, ça m'enlève un petit peu un poids parce que c'est vrai que j'ai tendance à accumuler les kilos de grossesse. Hein. Je prends davantage de poids que pour Louise. C'est plus un petit peu comme Marius. Alors, est-ce que ça veut dire que pour autant c'est un garçon? Franchement, je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira, mais c'est vrai que je prends davantage de poids que lorsque j'étais enceinte de Louise. Donc, il faut que je me méfie de toutes mes envies sucrées. Voilà. Et le fait de savoir que je n'ai pas le diabète gestationnel et très rassurant. On est revenu de Dieppe hier, vous avez vu les images de notre petit séjour en bord de mer qui a bien plu aux enfants, bien que Louise n'était guère d'attaque. Elle nous a fait le même coup que le mois dernier lorsque nous sommes partis en Creuse chez mes grands-parents, à savoir des gros pics de fièvre. Donc il y a eu un jour et demi, donc la moitié de notre séjour où elle était franchement patraque et où on a passé des petits moments un petit peu difficiles à se demander qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire. C'est vrai que du coup, on était limité parce que on a des enfants qui sont en bas âge, donc toutes les sorties ne nous sont pas ouvertes non plus. On était limité parce que je suis enceinte et que j'ai de grosses douleurs de sciatique, ce qui fait que je ne peux pas me déplacer très aisément, je fatigue très vite, je me dandine plus que je ne marche. Et c'est vrai que voilà, il y a des promenades que j'aurais bien aimé que l'on fasse et que l'on n'a pas fait parce que je ne pouvais physiquement pas suivre le rythme et mes enfants non plus. Mais on a quand même beaucoup aimé la ville et on s'est dit qu'on reviendra avec plaisir d'ici quelques années. Donc voilà, ce sera l'occasion de rattraper notre retard, dirons-nous. Je vais vous parler un petit peu de lecture parce que j'ai terminé le Samuel Barbier bien le jour même que je vous ai pris en vidéo pour vous parler du test de diabète gestationnel. Je l'ai terminé dans le courant de la journée pendant la sieste des enfants. Donc voilà, le livre m'aura tenu une journée, c'était à peu près sûr hein, parce que franchement je l'avais bien entamé, puis j'étais bien dedans, j'avais envie de connaître la fin. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Eh bien je l'ai trouvée finalement assez moyenne, elle m'a moins plu que La sirène et le scaphandrier et je ne la conserverai pas. J'ai plus de facilité qu'il y a quelques mois en arrière à me débarrasser des lectures que je sais qu'elles n'ont pas été exceptionnelles, voilà. Je sais qu'avant j'avais beaucoup de difficultés, surtout quand je commençais à garder certains livres d'un ou d'une auteure. Même les livres qui étaient un peu moyens, je les gardais quand même pour la collection, vous voyez.
Et puis à la réflexion, je me suis dit que c'était un petit peu bête comme démarche et que si c'est pour ne pas avoir envie de le relire et que ça prenne inutilement de la place dans ma bibliothèque, vous voyez, ça sert pas à grand-chose. Donc ce livre, je ne vais pas le conserver, je vais quand même vous en donner mon avis. Je vous ai déjà dit de quoi il parlait. On suit à travers des points de vue alternés deux sœurs, les survivantes, hein, qui font face à l'injustice de la situation et surtout à l'incompréhension suite au geste désespéré de la sœur du milieu. Vous le savez, j'aime pas trop les livres qui abordent la mort, hein, comme thématique. Ça me rend toute tristounette, ça me mine le moral et ce roman n'a pas dérogé à la règle. Bon, j'ai pas eu envie non plus de pleurer ou quoi que ce soit, mais il y avait des passages assez émouvants et puis surtout pesants. Et c'est ce côté pesant qui ne m'a pas trop plu. La raison de l'acte de Constance, elle s'appelle Constance, voilà, nous est bien entendu expliquée. Et j'ai été un petit peu déçue de voir que la raison était, c'est un peu violent de dire ça, mais aussi simple que ça. Évidemment, rien n'est simple. Mais on va dire que c'était une hypothèse que j'avais envisagée depuis le tout début et j'ai trouvé ça dommage que mon hypothèse soit vérifiée aussi vite. J'aurais préféré que le récit soit plus étoffé, soit plus complexe, que la plume soit plus mature également parce que l'écriture, je l'ai trouvée finalement assez moyenne et moins jolie, moins chargée, on va dire, que dans la Sirène et le Scaphandrier. Donc ça m'a un petit peu déçue. Je lirai tout de même le troisième livre de l'auteur lorsqu'il sortira en poche, ce qui n'est pas encore le cas, je crois. J'ai lu le résumé sur Internet. Ça parle, il me semble, d'un colis qui n'a jamais été distribué à son destinataire et il y a une femme qui va mener l'enquête pour pouvoir retrouver le destinataire de l'époque. Et les notes sont très bonnes, elles sont meilleures que vis-à-vis de ce livre-là. Donc, vu que le thème m'intéresse davantage, je m'y plongerai avec plaisir le moment venu lorsque j'aurai l'occasion de me procurer ce livre. Mais c'est vrai que pour celui-ci, voilà, bon, je l'ai lu. Il ne m'a pas appris grand-chose puisque j'avais déjà tout deviné. Il ne m'a pas véhiculé de belles émotions comme j'aurais pu l'attendre. Et c'est dommage, donc mon sentiment est très mitigé à l'égard de cette lecture. J'ai un petit quelque chose à vous montrer puisque on a des cartes cadeaux comme chaque année avec notre comité d'entreprise à écouler. Et chaque été, je dépense ces cartes cadeaux chez Cultura parce que j'aime bien acheter des livres pour les enfants. J'aime leur acheter les livres que je vais leur offrir dans leur calendrier de l'Avent. Donc ça, c'est fait, c'est réglé, mais je vous les montrerai quand on sera plus proche de la fin de l'année, dirons-nous. Et j'achète également tous les manuels scolaires. Alors, ce que j'appelle manuel scolaire, c'est les cahiers d'apprentissage qui accompagnent l'enfant sur le chemin de la petite section, puis de la moyenne section, etc. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi d'acheter parce que ce sont des livres qui ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais choisis pour la petite section de Marius. Ce qui aurait été intéressant, c'est que je vous montre aussi les livres qu'on utilise cette année puisque je ne sais plus trop si je vous en ai parlé, mais cet été, quasiment tous les jours, sauf les jours où on est en déplacement, eh bien je fais des exercices avec Marius pour voilà, réviser les acquis et puis apprendre de nouvelles choses. J'avais acheté deux cahiers d'apprentissage plus un passeport et c'est ce qu'on fait. Et j'ai fait avant les vacances un planning quotidien, ce qui fait que lorsque Marius reprendra l'école, on clôturera ces trois livres. Voilà, il n'y aura pas de j'ai acheté, mais en fait on n'a pas eu le temps de finir ou quoi que ce soit. Non, non, on aura tout fini en temps et en heure. Alors, grâce à la carte cadeau du CE de l'année dernière, j'avais acheté mon cahier de petite section de maternelle aux éditions Larousse. Pourquoi ce choix-là? Tout simplement parce que j'avais déjà choisi aux éditions Larousse la version toute petite section de maternelle. Donc c'était ce qui permettait de préparer l'entrée à l'école finalement. Et avec Marius, on avait énormément accroché à cette version de toute petite section de maternelle. Mais ce n'est pas la même personne qui a rédigé la version de la petite section de maternelle. Et je dois dire, j'ai été assez déçue par ce cahier. Donc, on n'a pas encore fini, hein, on est en cours. Mais je ne le trouve pas forcément exceptionnel. Donc, c'est très, très orienté sur les différentes lettres de l'alphabet. On a à chaque fois une double page par lettre.
et des exercices qui sont associés à cette lettre-là, donc pour reconnaître et savoir tracer cette lettre. Voilà. Je trouve que c'est très redondant comme cahier et heureusement que je l'entrecoupe avec d'autres cahiers, vu que c'est la même personne qui a rédigé ce cahier-là et le cahier de moyenne section, j'ai fait le choix de ne pas reprendre un Larousse pour la moyenne section de Marius. En revanche, je suis conquise par mon année Montessori sur la petite section et c'est aux éditions Hachette. Il est génial parce que le contenu est très diversifié, il y a plein d'activités à réaliser avec l'enfant, on étudie plein de documents différents, les illustrations sont plus grosses, plus vivantes, plus dynamiques, bref, je le trouve vraiment pas mal du tout. Donc c'est un cahier qui fonctionne très très bien et qui comporte bon nombre de gommettes. Et j'ai fait le choix de ne pas le reprendre, mais vraiment plus dans l'optique de changer. Et c'est vraiment un cahier que je peux vous conseiller avec enthousiasme malgré tout parce que on l'a beaucoup apprécié. Autrement, j'ai acheté plus récemment un passeport. On connaît tous les passeports, hein. Je crois qu'on y a tous eu droit quand on était enfant. Après, il y a vraiment la team de ceux qui ont adoré et ceux pour qui c'était la véritable corvée que de se lancer là-dedans. Moi, personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec les apprentissages, avec l'éducation, etc. J'étais plutôt bonne élève que cancre, donc les passeports, j'en garde plutôt un bon souvenir, voilà. Et là, c'est très fun. Franchement, j'aime beaucoup. À chaque fois, on fait une double page. Quand la double page est réussie, l'enfant peut coller sa petite gommette en haut. Et puis, il y a toutes les gommettes qui dégringolent, évidemment. C'est pas mal de jeux. On est moins dans l'apprentissage, on est plus dans le jeu et dans la révision d'acquis, hein. Donc, je le propose à Marius comme complément des apprentissages et ça nous va très très bien comme ça. De la reconnaissance de lettres, des tracés, des exercices de logique. Voilà, bref, du coloriage, il y a vraiment de tout. Le contenu est très, très, très diversifié et moi, c'est vraiment ce que j'aime. Voilà. Donc, maintenant que je vous ai montré ce qu'on fait quasiment tous les jours avec Marius, je vais pouvoir vous montrer ce que j'ai très récemment acheté chez Cultura. D'ailleurs, ce que je vais pouvoir lui proposer pas plus tard qu'aujourd'hui ou demain, en complément de ces petites activités-là, c'est ce cahier-là. Non, je ne vais pas attendre qu'il soit en moyenne section pour lui proposer. Je lui ai pris un cahier effaçable. Donc vous savez qu'un petit mouchoir, hop hop hop, on efface ce qu'on aura pu écrire avec le feutre qui est vendu ici. C'est sur la thématique de Cars, donc ça parle à Marius, hein, voilà, forcément. Surtout qu'il a vu le dessin animé il n'y a pas très longtemps. Et on a les lettres de l'alphabet qui sont dans l'ordre, s'il vous plaît, parce que j'ai cherché pas mal de temps un contenu de ce genre, mais le problème c'est que la plupart, ils proposent l'alphabet dans le désordre, et je ne sais pas, ça ne parle pas à mon côté psychorigide. Moi, j'ai du mal à concevoir ça. Il y avait un Choupi en version ardoise qui me tentait bien, mais c'était dans le désordre, et du coup, ça ne m'allait pas. Là, on a l'alphabet vraiment dans l'ordre, et puis on s'entraîne au tracé en traçant des petites choses sur le thème de Cars qui nous aident après à faire le tracé de la lettre correspondante. Il y a un sens pour les gauchers, un sens pour les droitiers, on nous explique de quelle manière s'y prendre, etc. Bref, moi je le trouve très bien fait et comme je vous le disais, d'ici quelques jours, je vais pouvoir le proposer à mon fils. Ensuite, pour l'année prochaine, alors ce que je vous dis année prochaine, en fait, c'est à partir de septembre, hein, on est d'accord, je vous parle en année scolaire là du coup. Donc pour la moyenne section, je vous ai dit, j'ai pas repris le Larousse ou le Hachette, je suis partie dans tout à fait autre chose. Alors il y a quand même un Hachette, mais c'est pas la même collection. J'ai choisi de prendre toute ma maternelle, tout le programme moyenne section 4 à 5 ans. Il y avait la version aussi petite section, mais bah, que je ne connais pas du coup puisqu'on ne l'a pas pris. J'ai pu le feuilleter déjà et je peux vous dire que les exercices sont très diversifiés, les illustrations sont adorables comme tout. Néanmoins, je le trouve un poil complexe pour un début de moyenne section. Donc c'est plutôt quelque chose qu'on débutera, je pense, à partir du mois de mai 2023. Donc à partir du mois de mai l'année prochaine, quand il aura déjà la plupart de son bagage de moyenne section réalisé et il nous tiendra comme ça tout l'été, un petit peu à l'image des cahiers que l'on fait maintenant.
Par contre, un livre qui est plus accessible et qu'on pourra débuter dès le début de la moyenne section, c'est celui-ci, Mon année de moyenne section, qui est sorti aux éditions Belin. Donc là aussi, c'était une totale découverte pour moi. Je l'ai pris après avoir vu les avis et feuilleté quelques pages virtuellement sur Internet. Il est beaucoup plus simple, c'est du bon sens. C'est de la reconnaissance de forme, de la reconnaissance de lettres, évidemment. Alors, c'est sûr que au niveau de la difficulté, ça s'augmente d'un cran par rapport à la petite section. Mais je trouve que ça reste quand même facilement accessible pour le niveau de mon fils. Donc, faut pas non plus décourager totalement l'enfant avec des choses trop complexes, parce que déjà que c'est compliqué d'avoir leur attention sur 10-15 minutes, bah autant rentabiliser à fond ces 10-15 minutes avec des choses qui sont à sa portée, voilà, tout simplement. Et puis, comme ma petite Louise est très en avance sur son âge et qu'elle en arrive à sa dernière année avant l'entrée à l'école en 2023, je lui ai pris, comme j'avais fait à l'époque pour Marius, un cahier d'exercice sur la toute petite section. Alors, pour le coup, voilà, j'ai pas choisi celui que j'avais bien aimé qu'on avait fait avec Marius, qui était aux éditions Larousse. Dans le but de changer, parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop redondant pour la maman, hein. Je veux bien m'investir à fond derrière mes enfants, mais j'ai pas envie d'avoir la sensation de faire deux, trois fois la même chose. Donc je suis partie sur maternelle tout le programme, toute petite section de 3 ans, et c'est sorti aux éditions Nathan celui-là. Les illustrations, ma foi, elles sont ce qu'elles sont. Oui, elles sont relativement mignonnes. On suit un petit garçon, une petite fille, on ne sait pas trop s'ils sont copains ou frères et sœurs, mais en tout cas, on les retrouve sur la plupart des pages d'exercice. Et quand je feuillette ce cahier, je suis extrêmement satisfaite de constater que la plupart de ces choses-là sont déjà connues et maîtrisées pour ma fille. Voilà, deuxième enfant oblige, elle est très en avance. Mais voilà pour la petite partie cahier d'apprentissage, cahier d'activité. Si ça peut vous donner des idées pour vos loulous, eh bien, n'hésitez pas. Moi, je sais que je suis très friande de ce genre de contenu. Someone make it end. Fanning the fire, watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
décidément, c'est un vlog où je retrouve souvent au volant, il faut dire ce qui est. Mais là, la destination est plus sympa que quand j'ai débuté le vlog et où je me rendais au laboratoire de prise de sang, puisque j'ai rendez-vous à Paris avec deux copines. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une copine et mardi, ce sera l'anniversaire d'une autre de mes amies qui est également la marraine de mon fils. Et à cette occasion, j'ai décidé de leur organiser une petite surprise à toutes les deux. Je leur ai donné rendez-vous à Paris dans le 17e. Donc là, il est 10h07, il ne faut pas que je tarde. Mais bon, on est au mois d'août, donc je pense que ça devrait bien rouler et que je devrais avoir moins de difficultés que d'habitude pour me garer dans Paris. La surprise en question, en fait, c'est la pâtisserie. Voilà, j'ai trouvé sur un site qui s'appelle We Can Do et qui propose moult ateliers de toutes sortes de macaronner ensemble pendant 2 heures. Donc on va suivre un atelier de macarons. Je sais que toutes les deux, elles aiment bien à la fois pâtisser et à la fois consommer. Donc là-dessus, on s'est vraiment retrouvés. Je pense que ça leur fera plaisir et ça va nous permettre de passer une petite journée sympa entre filles. On devrait se faire, je pense, à un restaurant à l'issue du cours de macarons parce que c'est de 11h à 13h. Et autant vous dire que moi, quand je mange pas à midi, surtout là, depuis que je suis enceinte, je me sens pas bien. Donc manipuler des gâteaux et pas pouvoir les manger tout de suite et voir leur tourner, je risque... Donc bref, il est hors de question que je rentre à la maison le ventre vide. Donc évidemment, on va se faire un petit resto avant de regagner chacune nos pénates. Donc voilà, ça va me changer agréablement. Un long moment sans enfant, à profiter de conversations entre adultes, ça m'arrive pas souvent, c'est vrai, il faut l'avouer. Mais je suis très contente et puis je devrais peut-être réussir à vous filmer quelques images. Voilà, bon, du coup, j'y vais parce que l'heure tourne. Je vous retrouve des heures plus tard, je ressors de la douche, j'ai passé une très bonne journée en compagnie de mes copines, vraiment pas déçue de cette expérience, on était toutes les trois hyper satisfaites. Je suis pas repartie les mains vides, puisque la marraine de mon fils m'a donné le contenu de ce sac qui comporte de nombreux cadeaux d'anniversaire. Je me suis dit que j'allais ouvrir ça devant vous. Attendez, d'abord je vais tous les tripoter. Ça fait bizarre de dire ça. Et je vais voir si je peux en déduire quelque chose. Oh, c'est hyper chelou ça, qu'est-ce que c'est? Ça, je pense savoir ce que c'est. Avant même de l'avoir secoué, je savais ce que c'était, vu le format. On est d'accord, ça fait penser à un puzzle. Ensuite, il y a encore ces trois petites choses. Alors ça, on va commencer par ça. Easy peasy, ça sent le rouge à lèvres. Donc, je pense que ma copine Gaëlle, puisqu'elle s'appelle Gaëlle, doit avoir un Kiko pas loin de chez elle. Parce qu'à chaque fois que c'est mon anniversaire ou Noël ou quoi, elle aime bien m'offrir du maquillage Kiko. Alors, j'aime beaucoup le maquillage Kiko, mais simplement, je me maquille beaucoup moins qu'il y a quelques années. Donc, on est sur, en effet, un rouge à lèvres. Alors, de quelle couleur est-il? Ça, je me le demande. Ouh, c'est rouge. Mais il est très beau, il est très beau. Après, qu'est-ce que je vais ouvrir? Ça, je pense savoir ce que c'est. Je l'ouvrirai, je pense, en dernier avec le puzzle. Ça sent l'album de coloriage. Et vu le format, je pense que c'est un bloc Disney. Donc ça, je sais pas du tout ce que ça peut être. On va regarder. Ah, super! Ça me fait vachement plaisir. Génial. Donc, elle m'a offert une petite palette comme ça d'aquarelles. De la marque Winsor & Newton. Donc pour le coup, c'était pas sur ma wishlist, mais je ne l'ai pas. Rassure-toi si tu regardes cette vidéo, je ne l'ai pas.
Et ça me fait très plaisir. Merci beaucoup, beaucoup. Ensuite, là non plus, aucune idée de ce que ça peut être. Jeu de société. J'adore les jeux de société. Non, mais enfin, je vous dis ça en rigolant, mais je suis hyper sérieuse. J'aime énormément les jeux de société. De toute façon, je vous avais fait un petit point dans une vidéo il y a quelques mois de ça, où je vous montrais tous les jeux de société en notre possession. Dieu sait qu'on en a. Et depuis cette vidéo, on a rajouté à notre ludothèque le jeu Azul. Et plus récemment, on s'est acheté un jeu pour deux joueurs qui s'appelle J'ai pour. C'est un jeu où on est sur un marché et il faut être le plus riche marchand à la fin de la partie. Et là aussi, on a vraiment accroché, on a fait deux, trois parties et on a beaucoup, beaucoup aimé ce jeu. Donc voilà, petite mise à jour de nos derniers jeux. Et là, elle m'offre Robin Hood. Franchement, ça fait un moment que j'ai ajouté ce jeu dans ma wishlist Amazon. Et très honnêtement, je ne pourrais pas vous dire à l'heure actuelle en quoi consistent les parties de ce jeu de société. Mais si je l'ai ajouté à ma wishlist, c'est qu'à un moment donné, il me tentait beaucoup. Et merci, 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 merci. Allez, le colis mystère. Ah, mais je vous assure, au toucher, c'est super bizarre. On dirait qu'il y a comme une petite poche à air. Mais qu'est-ce que ça peut être? Attendez, je l'ai pas. En fait, j'ai vu un truc en silicone, je me suis dit, oh, c'est un truc de pâtisserie trop bien. Mais c'est vrai que j'ai même pas regardé de quoi il s'agit. Cette chose-là, ça m'a l'air d'être une toile de cuisson, j'imagine. Mais du coup, pour faire quoi? Peut-être des baguettes, en fait. Hein, quand je regarde les empreintes, je lui ai envoyé un message. Mais franchement, quand je vois les empreintes comme ça m'a l'air d'être pour faire des baguettes individuelles quand même. Et si c'est le cas, c'est plutôt cool parce que j'ai testé une recette il n'y a pas longtemps. J'avoue que mes baguettes n'ont pas franchement monté, mais le goût était là, quoi. Et le goût était absolument grandiose. Donc, merci ma petite Gaëlle, mais je vais quand même t'envoyer un message pour être sûre que c'est bien pour faire des baguettes. Mais grosse excitation quand j'ai reconnu que c'était pour faire de la cuisine. Chouette! Eh ben écoutez, j'ai comme un doute. Est-ce que cet album était dans ma liste, dans ma wishlist? Je suis pas sûre, mais je l'avais repéré et je l'avais trouvé très sympa et je m'étais tâtée à le mettre dans ma wishlist. Je suis pas sûre qu'il y était, mais en tout cas, sent bien qu'il me tentait beaucoup. Donc c'est parfait. C'est le Wonderful Little World. C'est le volume 2. Alors, je le trouve plus abouti et plus mignon que le volume 1. Donc, c'est très bien. Je vais l'ouvrir. On va le regarder un petit peu ensemble. Ah, et puis, franchement, j'adore les blocs avec des spirales. Parce que moi, j'en peux plus des blocs qui se soulèvent comme ça. Et t'as la moitié des feuilles qui se barrent. Et malheureusement, c'est un peu le problème dans les blocs Disney. Oui, alors, cette page était peut-être pas la plus intéressante à vous montrer. On est dans le mauvais sens, là, on est d'accord? Oh, ce petit écureuil, ce petit lapin, c'est trop kiki, regardez-moi ça. Le papier est hyper épais. Oh. Donc là, pour le coup, ceux qui aiment la peinture peuvent se faire plaisir. Oh, mais j'adore. J'adore, j'adore. Ah, oh, c'est trop bien. Ah, c'est rigolo parce que je l'ai ouvert de ce côté-là, je ne sais toujours pas ce que c'est. Ah. Mais quand je vois ça, je me dis, c'est un Disney et c'est un Thomas Kinkade. Et je suis très contente parce qu'avec mon mari, on a déjà fait du Disney, mais on a fait du Disney. C'est qui fait? C'est pas Hachette? Je sais plus. Non, c'est Ravensburger. On a fait les Disney Ravensburger. Donc, vous savez, c'est la gamme avec les vilains. Où vous avez un vilain en gros plan et toute une galerie de portraits tout autour qui montre les différents personnages du dessin animé. Et ils sont durs, ces puzzles, ils sont durs. C'est-à-dire que le fond, il est sombre, il est uni, et puis les dorures des tableaux se ressemblent tous. Et autant ça va en 2 secondes pour faire les personnages, autant les tableaux et le fond, on galère. Et enfin, c'est pas qu'on galère, mais ça nous prend beaucoup de temps. Et quand on fait des soirées puzzles, ben, on n'est pas super assidu dans le sens où on se fait pas ça tous les soirs jusqu'à ce qu'on l'ait fini. Non, on fait ça, je sais pas, peut-être une fois par semaine ou quelque chose comme ça. Donc c'est sûr que ça avance pas vite.
Donc là, on va tester un Disney qui n'est pas un Disney Ravensburger, mais un Thomas Kinkade. Et vous allez voir avant moi duquel il s'agit. Qu'il est beau. Oh, je suis désolée, il y a moult reflets parce que j'ai une fenêtre en face de moi. Oh, qu'il est canon. Oh, mon Dieu. C'est Peter Pan. Évidemment, c'est un 1000 pièces parce que on fait que du 1000 pièces. Disons, tu m'as gâté. Hein. Oh, tu m'as gâté de fou. Je suis trop contente. Oh là là, j'aime tout, j'aime tout. Bon, voilà. Donc, c'était Noël avant l'heure. Non, on fait rien. C'était mon anniversaire après l'heure. Et c'est trop bien. Je suis super contente. Pourquoi est-ce qu'il y a ma collection de Harry Potter en anglais qui est dans ce sens-là posée par terre? C'est parce que notre Louise nationale a encore fait un miracle. C'est au moins une fois par jour qu'elle renverse son gobelet d'eau et banco, elle a inondé mon roman. Voilà. Donc je suis dégoûtée. Et là, je l'aplatis avec du poids pour éviter qu'il gondole. Je vais quand même vous le chercher rapidement pour vous montrer de quoi il s'agit. Au départ, je pensais que ça allait être un coup de cœur. Et puis là, je suis dans le tout dernier tiers et je me dis que finalement, ça n'en sera peut-être pas un. Je vais voir. Mais lecture géniale, en tout cas. Ben oui, je suis en pyjama, quoi. Du coup, je lis « Demain est un autre jour ». C'est de Laurie Nelson Spillman. C'est son premier roman. Et... Ah, oh, c'est clairement pas le dernier que je vais lire. C'est pas une auteure très prolifique dans le sens où elle a écrit que 4 romans pour le moment. Et celui-ci, il remonte quand même à un certain temps. Voilà, il date de 2013. Ça, c'est ma tête de pas contente. Je suis dégoûtée. Il est trempé, trempé, trempé. Non, mais regardez-moi ça. Là, là. Et tout est passé jusqu'à la fin. Je vous en parlerai pas en détail dans ce vlog parce que j'ai peur que ça soit un peu trop long. Mais en tout cas, c'est un contemporain, c'est léger, c'est drôle, c'est tendre, c'est mignon, ça se lit vite. Le seul truc qui m'agace un petit peu, c'est l'héroïne qui est un petit peu trop midinette à mon goût. C'est-à-dire que elle tombe amoureuse de tous les gars qu'elle rencontre au premier regard et c'est un côté un peu crispant. En revanche, je pense que je vous parlerai plus en détail du prochain roman que je sortirai de ma pile à lire parce que c'est celui que je risque très probablement d'emmener en vacances puisque oui, on repart encore. Je vous ai dit, là, cet été, on n'arrête pas. Là, on fait notre dernier déplacement vendredi prochain. On va partir plus longtemps que d'habitude. On va partir 5 jours en Haute-Marne. On y va à l'occasion d'un baptême, du sixième enfant. Oui, vous avez bien entendu, du sixième enfant. Du grand frère de mon mari et voilà, on va profiter de la famille, on va y rester quelques jours. Évidemment, je vais prendre de la lecture, je pense que je vais aussi emmener mon tricot, soyons fous, et je vous montrerai ce que je choisis d'emmener avec moi quand j'en serai à faire les bagages. Pain is the thing I acquire. Mental desire. Can someone make it end? Fanning the fire. Watching the flames burn higher. I'm not a liar, but they don't understand.
faces. Talking with you, but without voices. Tearing up noises, but I'll never give up. On est le 24 août et c'est la dernière prise de ce vlog qui doit être certainement tout aussi long que celui du mois précédent. On est revenu de vacances hier, ça s'est super bien passé, on a eu quasiment que du beau temps, les enfants se sont éclatés, il y avait pas mal d'enfants, alors il n'y avait pas tous les cousins-cousines, puisque pour le moment, il y en a 14, on a assisté au baptême de la 14e, c'est ce qui a motivé ce départ en Haute-Marne. Mais il n'y avait pas tout le monde, ils étaient quand même 10, donc ça allait de un mois à une toute petite dizaine d'années.
Et ils ont trop bien joué ensemble, ils se sont tous créés des souvenirs et ça me fait très plaisir parce que c'est vraiment, bon, on essaie d'y aller une fois par an, mais c'est vraiment la première année depuis que j'ai les enfants où je vois qu'il y a un tel échange, où je vois que Marius est aussi demandeur d'aller passer du temps avec ses cousins et cousines. Donc franchement, ça faisait chaud au cœur, ça faisait plaisir à voir. Et moi, j'ai eu un peu de temps pour moi, pour me reposer, pour avancer dans mes lectures, puisque j'avais emporté le Agatha Raisin. Donc là, c'est le tome 3, Pas de peau pour la jardinière. C'est toujours aussi poilant. Franchement, je me régale avec cette série de cozy mystery. C'est peut-être pas la meilleure qui existe, mais en tout cas, je trouve que la plume de l'auteur est vraiment savoureuse. Alors certes, c'est pas des intrigues policières qui cassent à chaque fois trois pattes à un canard, dans le sens où c'est ultra simpliste où Agatha, qui est donc cette quinquagénaire à la retraite, ex-patronne d'entreprise, qui est pas commode finalement et qui a du mal à se faire des amis, qui mène à chaque fois l'enquête et la plupart du temps c'est avec son voisin célibataire sur lequel elle a jeté son dévolu. Souvent, voilà, on a une histoire donc avec le binôme qui fait du porte-à-porte auprès de tous les suspects qui potentiellement ont tué quelqu'un au sein du village. Et là, c'est vraiment les mêmes ficelles que pour le tome 2, mais en un petit peu moins poussif. Et du coup, je pense que j'ai préféré ce tome 3 au deuxième tome parce que j'ai trouvé que ça traînait moins en longueur. Déjà, le meurtre, il apparaît pas tout de suite, il apparaît presque à la moitié du livre. Mais ça m'a pas du tout manqué. J'étais pas là en train de me dire, bon, quand est-ce que ce personnage va mourir? Quand est-ce que ça va se passer, qu'on puisse avancer? Pas du tout, parce que, là, encore une fois, l'écriture est très savoureuse. On passe un bon moment avec les personnages. Il y a leur petite vie respective qui avance. Ça prend son temps, mais c'est vraiment très 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 agréable à lire. Ça se lit très vite et j'ai déjà hâte de lire le tome 4 où finalement il va y avoir probablement, d'après le résumé que j'ai pu lire, un rapprochement. Ça m'a accompagnée pendant le gros du trajet de l'aller et puis sur place. J'ai même eu le temps de commencer un autre roman, dont je vous dirai pas grand-chose parce que je réserve mon avis vraiment pour dans quelques jours quand j'aurai davantage avancé. Là, j'en ai même pas lu un tiers. C'est un livre qui est assez connu, qui est sorti en poche, je crois, c'était en début d'année dernière. C'est Là où chantent les écrevisses. C'est écrit par Delia Owens. Là, comme je vous le disais, je vais vous laisser, puis je vais commencer un nouveau vlog dans pas longtemps parce que je rentre déjà dans l'optique de la rentrée scolaire. Louise veut faire sa rentrée à la crèche dans moins d'une semaine. Marius, ça se profile doucement mais sûrement aussi pour le 1er septembre. Petit point colo quand même, parce que le mois dernier, j'ai fait aucun point colo. J'ai terminé au mois de juillet, mais je ne vous l'ai pas montré à ce moment-là, mais j'ai terminé au mois de juillet le coloriage que j'avais en cours dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Je vous avais dit que j'étais sur une illustration qui m'inspirait pas des masses. Que j'avais eu comme idée de partir sur une dominante de jaune pour la mise en couleur, mais que ça se passait pas forcément comme je le voulais, et que j'étais pas sûre du résultat, patati patata. Finalement, je me dis, il est pas si mal. Voilà. Donc, je vais vous le montrer tout de suite, et puis je vais vous montrer ensuite l'autre colo que j'ai commencé. Alors, le voilà terminé. Vous voyez que sur les ailes du papillon, j'ai mis un petit peu de poudre à paillettes métallisées. Est-ce que j'ai mis des paillettes par ailleurs? Oui, sur les grosses fleurs. À l'extrémité de chaque pétale, j'ai mis de la colle à paillettes jaune. Donc juste une petite pointe pour rehausser. Voilà. Donc je vous dis, bon, c'est peut-être pas mon coloriage préféré de cet album-là. Mais finalement, c'est quand même bien moins pire que ce que je craignais au premier abord quand je l'ai commencé et que vraiment je trouvais que ce que je faisais, ça ressemblait à rien. Je suis partie sur un Disney parce que ça faisait très longtemps que j'en avais pas fait. Bon, on voit que c'est le bazar sur mon bureau, j'allais dire sur mon marteau, mais voilà, lapsus révélateur. Il y a des jouets des enfants comme vous le voyez, il faut que je range un peu. Donc c'est le bloc en famille. Je crois que c'est le seul bloc Disney que j'ai en ma possession, mais c'est vraiment l'un de mes préférés. Et j'ai commencé une illustration qui m'a tapé dans l'œil il y a quelques années lorsque j'ai fait l'acquisition de ce bloc. Comme vous le voyez, franchement, c'est un scandale, hein, les blocs Disney, ça se dépiote de partout. Ils devraient les vendre à la limite un tout petit peu plus cher et faire un système de spirale
comme le bloc coloria que m'a offert ma copine pour mon anniversaire. Donc voilà mon avancée pour le moment. Avec Hercule tout petit, et puis sa maman Hera, bébé Pégase, et j'ai pas encore terminé les cheveux d'Hera, et j'ai pas du tout fait Zeus, voilà. Je suis en train de me rendre compte au moment où je vous filme que finalement la couleur de cheveux d'Hera est extrêmement proche de celle des nuages, donc il va falloir que je mette davantage de contraste, voilà. Mais je ferai ça par la suite, en revenant dessus, quand j'aurai terminé cette partie-là de la chevelure. Et du coup, je vais vous laisser là, puisque j'ai encore pas mal de choses à faire. Boum, c'est tombé, ça tombera pas plus bas. Aujourd'hui, on reçoit pour le déjeuner la marraine de Louise. Donc vous voyez, on est revenu de vacances, mais notre vie sociale n'est pas morte pour autant. On continue de recevoir. Et ce jusqu'à la rentrée, donc on a des petites choses à faire pour préparer le barbecue, c'est pour ça que je vous laisse maintenant, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, que vous serez au rendez-vous pour le vlog du mois de septembre, le vlog de la rentrée, et d'ailleurs quand on sera en septembre, l'anniversaire de mon Marius et ses 4 ans approcheront à grands pas, donc il va falloir là aussi que j'effectue quelques préparatifs. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans un prochain vlog. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour m'encourager pour les prochains. Ciao, ciao!